Madame la secrétaire d'État, cher commissaire Gentiloni, chers collègues, la crise actuelle a mis la finance publique de toute l'Union européenne dans le rouge. Et en miroir à la misère croissante chez nous, il y a l'insolente santé de la finance et de l'évasion fiscale permise par les paradis fiscaux. Honte à eux. Notre réponse à ce fléau ? Une liste de pays mineurs représentant péniblement 2% de l'évasion fiscale ? Où elle reste ? Où sont les États de l'Union comme Malte, l'Irlande, les Pays-Bas, le Luxembourg, qui n'ont rien à envier aux Caïmans ou à Panama ? D'ailleurs, faudra-t-il bientôt y ajouter le Royaume-Uni ? Puisqu'on dit qu'à l'occasion du Brexit, ce pays se verrait bien comme un Panama sur Tamise, à nos portes. Chers collègues, il est grand temps d'en finir avec l'hypocrisie et la complaisance amorale concédée aux fraudeurs. Balayons devant notre porte et imposons nos standards à ceux qui veulent accéder au marché intérieur. Toute valeur créée dans l'Union doit contribuer à la solidarité de l'Union. C'est l'essence même du projet économique européen. Merci.